Bonjour à tous et bienvenue sur ce Let's Play de Phantasy Star 4. On a donc essayé de régler le satellite Kiran, mais. Et nous avons battu un fragment de Dark Force. Mais le problème, c'est que Désolis. A toujours des problèmes environnementaux. Donc on est retourné sur des hélices. Et maintenant on a le Azir, le croque-glace en français, mais. Et on doit retrouver la Garubek Tower. Nous avons vaincu Dark Force, mais désolé, ce ne s'en remet pas, je me tue à vous le dire, le problème vient de la tour Karubek. En tout état de cause, je dois admettre la nécessité d'enquêter. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. La tour de la Karubek, mais c'est où? On est à Azusa. Ceci est la fille de Azusa. Notre spécialité sont disons ceux de pingouins désoliens. Le pingouin désolien est très mignon. Nous avons élevé le hibou désolien jusqu'à ce que ce qu'il puisse se reproduire en captivité. N'aimeriez-vous pas être accompagné par un pingouin désolien? Il y a quelqu'un qui a planté un écriteau à cet effet dans la partie ouest de la ville. Vous devriez lui parler. Qu'est-ce qu'il est mignon? Rune, le trouves-tu mignon? Pas vraiment. Mais sur Rachel. Ah, les Supermanen, si vous allez un peu plus à l'aise, vous devriez les trouver. Vous savez quoi? Il y a une ville Parmenen qui a été complètement rasée. Je me demande pourquoi. La tempête de neige ne vous empêche même d'aller au temple Gumbius. Où nous trouvons nos paix d'esprit par prix. Les gens des autres villes doivent chasser pour vivre. Grâce au printemps des éoliens, nous pouvons vivre une vie d'éleveur ici.
Les flammes, ça peut être bien. Ça, je fais pas le bon. Okay. Maintenant, des cryptonnerres. On va plutôt mettre des bâtons. Laissez un pingouin des éléments se joindre à vous aujourd'hui. Un pingouin des éléments vous suivra autour de la ville. Cette espérance qui réelle peut être la vôtre pour seulement 500 états. Pourquoi pas, bien. Prenez garde toutefois, le pingouin vous quittera si vous quittez la ville ou entrez dans une maison. Ne soyez pas sécurisé tout le cas, un simple tour peut amener la tempête et Ok. Il me semble qu'il m'en parlait l'autre. Ah, vous faites la part des pingouins. Ah, on fait, c'est plutôt inutile, mais c'est pour ça que c'est vraiment génial. D'accord. Je sais pas trop ce que à quoi ça va servir, mais
c'est bon. Autant le début ça allait. Mais là, c'est un truc complètement zombifié. Ce qui me gêne, c'est que sa seule attaque, il en a qu'une. Il en a que très limitée. C'est la ville de Metz. Nous sommes en difficulté à cause d'une étrange maladie qui se propage dans la ville. Il y a une ville, Rachel, à l'ouest. Il semble qu'elle ait été décimée par une maladie. On dit que c'est une ville mort-vivante depuis. Il faut prendre ça au sérieux ici. Rachel est devenu. Ah, j'ai un peu. J'ai eu très peur. J'en ai marre des endroits terrifiants, je vais m'enfuir hein. Encore plus loin. Je ne peux pas abandonner Rachel, ma fille natale. Je suis sûr qu'ils finiront par trouver un remède contre
La maladie reviendra comme avant. Voilà, si je peux vous aider. Ici, c'est le triage des patients. C'est une auberge avant, mais l'aubergiste en est. On a fait une clinique ouverte à tous par bonté de cœur. Aucun remède n'est efficace contre cette étrange maladie. Pour le moment, rien à faire pour eux. À part leur insuffler de l'énergie vitale pour les maintenir en vie. C'est pourquoi tous ces experts sont venus ici. Cette grande auberge est bien connue de tous les désolistes, mais l'aubergiste nous laisse l'utiliser pour les nombreux malades. Il est un individu qui a tellement de bon cœur. Il va vraiment au-delà de toute attente. Nous sommes les Espères dont tout nous parle. Nous habitons le manoir Espère au sud-est d'ici. Il y a d'autres gens avec de tels pouvoirs au manoir Espère. L'auberge dit, pour être franc, je voulais passer des l'auberge pour ceci, mais les citadins m'auraient regardé de travers si j'avais laissé toutes ces chambres vides. C'est pénible. Ouais, peut-être on devrait simplement en faire un hôpital. Si seulement nous pouvons faire quelque chose. Donner de l'énergie vitale aux autres signifie que nous en prenons à nous-mêmes, mais... Waouh, ces patients manquent d'énergie vitale, quoi. C'est douloureux pour nous, mais les malades ont encore plus mal. Il nous faudra doubler d'efforts. Nous sommes proches de prochaine garde. Cette maladie étrange s'est éclairée juste après que la tour d'Irbiaké soit apparue. Vous voyez, je me tue à vous dire que c'est à cause de cette tour. Racha, arrête de faire le pitre. Chaise, ce n'est pas une farce. Il a une énorme fièvre. Vite, il faut le mettre au lit. Même Raja tombe malade. Il mourra si nous le laissons comme ça. Ah ah, j'en reviens pas. Ce n'est pas drôle, Chase. C'est vrai, désolé. Ika, tu la ressens aussi, n'est-ce pas? Rune? Je l'ai ressenti dès que nous sommes posés sur Desolis. Elle est plus forte ici. C'est vrai. Hein, que voulez-vous dire? Chase, écoute-moi attentivement. Cette sensation, c'est l'onde d'énergie noire. L'onde? Elle doit venir de la tour Garubia. Et elle est très proche. Donner. À l'aide, à l'aide. Kira, Kira se dirige vers la tour Garubia toute seule. Kira. Elle est une experte d'un courage exceptionnel. Mais c'est trop risqué. La tour est entourée d'une forêt d'arbres carnivores. Chase. Compris. Nous ne pouvons pas la laisser y aller seule. Ou... Et cette forêt au nord-est de la ville. D'accord, allons-y, vite. Il n'y a rien d'intéressant ici. De donner les circonstances, nous sommes fermés. D'accord. Ok, je crois que j'ai... Ok, on a ce qu'il faut. Magasin d'armes. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Okay. C'est bon pour ça.
Je vais quand même aller au sud-ouest pour aller voir les espères. Aux pénétrations, les joueurs douteux ne sont pas permis d'entrer. D'accord. Ben, on ferait. Non, j'aurais un point de téléportation. Ça avait dit nord-est. Je me souviens que c'est par là. Allez, bon.
je vais être obligé. Et kit de réparation. Sur les Android. Exactement. Alors cet espère qui a s'est dirigé vers la tour thérapeutique tout seul. J'ai entendu dire que la forêt qui encercle la tour est emplie d'arbres carnivores. Nous ne pouvons pas la laisser aller elle-même. On l'était. Mais c'est où? Il arrive. Je vais faire un. J'ai
Si, c'est une vallée étrange, mais c'est un chat et un chat qui parlent. Nous sommes des chamusquets et nous pouvons parler miaou. Vous nous rappelez quelqu'un miaou, entre et rencontrer l'ancien miaou. Nous n'avons jamais pu voir le trésor de l'ancien miaou. Merci d'être venu, visiteur. Je suis le chef de cette vallée. Et vos yeux montrent de la bonté. Il n'est pas surprenant qu'on vous ait laissé entrer. C'est vraiment étrange. J'ai l'impression que nous vous sommes déjà rencontrés. J'ai un bon pressentiment. Je vais vous confier ceci. Ceci est un trésor qui s'est transmis de génération en génération. Prenez-le, c'est la grappe d'argent. Un ancien miaou. D'accord. Du feu pareil, donc ils ne viendront pas attaquer si on fait un feu au milieu de la ville. Vous avez vu le cimetière, c'est vraiment horrible, mais nous avons dû brûler et enterrer les dépouilles de ceux qui sont devenus des zombies. À faire, bien équipé, impressionné de passer. Là-bas, quelqu'un est en difficulté. Est-ce qu'il y a?
c'est pas possible. Zut, ils grandissent et grandissent derrière nous. Ils n'ont aucune limite, nous devons battre en retraite. Merci de m'avoir sauvé. Je suis Kira Tierney. Qu'êtes-vous tous? Vos amis nous ont envoyés. Quoi qu'il en soit, je suis contente que vous soyez prêts. Saine et sauve. Je vois, c'est pour cette raison que vous avez fait tout ce chemin. C'était bien téméraire d'y aller toute seule. Je devais faire quelque chose pour arranger tout ça. J'ai fumé juste à voir toutes les gens se tordre de douleur, mais ces arbres carnivores, c'était beaucoup plus coriace. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, je me demande s'il y avait un autre moyen de les vaincre. Je connais peut-être le moyen. Notre chef devrait pouvoir nous aider. Notre guide au manoir Esfer. Lutte. Il y a environ 2000 ans, accompagné d'une héroïne appelée Alice, il a sauvé Algo et est devenu renommé comme un magicien légendaire. Attendez une seconde. Vous dites qu'une personne d'il y a 2000 ans est toujours en vie. Il est dit qu'il est toujours là dans les plus profondes profondeurs du manoir Esfer. Mais nul hormis les plus hauts gradés peuvent y entrer. C'est pourquoi je ne l'ai vu qu'une fois et encore de loin, à l'occasion d'une cérémonie. Mais l'on reconnaît même de loin, il est brillant, gracieux, élégant, une personne merveilleuse. Je suis certaine qu'il doit connaître le moyen de résoudre ce problème. Il est vivant depuis 2000 ans. Tu ne le crois pas? La vérité, Lutz est un magicien sans égal dont la légende a donné naissance à de nombreuses légendes. Je suis persuadé que le maître connaît les secrets même de l'immortalité. Je me demande si ça se peut. En toute logique, il doit s'agir d'une variante d'hibernation cryogénique artificielle. Quoi qu'il en soit, nous pouvons laisser les pauvres gens de Metz à leur souffrance. Nous devons tenter d'obtenir une audience de Lutz. Oui, Chaz. Allons-y et voyons si nous pouvons rencontrer ce Lutz. Je vous le dirai, allons-y. D'accord, direction de Manor Esper. Mais avant ça, on va se... j'ai vu qu'il y avait un... une station un peu plus haut et je vais y aller dans la prochaine vidéo. Allez, alors, à plus et à la prochaine.